À seulement 22 ans, il gagne plus de 5 millions de dollars par mois. Et je crois tout simplement que son parcours est une vraie leçon de vie. Parce que vous ne le savez peut-être pas, lorsque Kabilem décide de se lancer sur TikTok, il ne perce pas le premier mois. Le premier mois, il comptabilise au total 9 vues et 2 abonnés. I got 9 views and 2 subscribers. 2 subscribers? Yes, sir. Sometimes all I think about is you. Late nights are real or true. Son parcours est une vraie leçon de vie. Et si vous voulez réussir dans tous vos projets, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons en tirer 3 leçons qui vont vous permettre de réaliser tous vos projets dans la vie. 20% des personnes vont rester à la première étape, 30% à la deuxième étape et 49% à la troisième étape. Ce qui fait qu'il y a seulement 1% de personnes qui vont à la fin réaliser leurs rêves. Si vous voulez en faire partie, allons-y. Kabilem, c'est la personne la plus suivie sur TikTok. Avec plus de 140 millions de followers, il fait essentiellement des vidéos de comédie sans toutefois dire un mot. Son concept est simple. Il se moque des astuces trouvées sur Internet qui, soi-disant, facilitent la vie. Or, au contraire, la compliquent davantage. Ses vidéos commencent toujours par une astuce qu'il trouve sur Internet. Et après, il nous dit que c'est plus simple de faire comme ça. Vous ne trouvez pas. Mais que faisait notre nouvelle star Kabilem avant TikTok? Avant TikTok, notre Kabilem était un jeune comme tout le monde qui cumulait d'ailleurs 2 emplois. En journée, il était maçon et le soir, il était serveur plongeur. Les plongeurs sont ceux qui lavent les assiettes dans des restaurants. Et là, bam! Le confinement. Le jeune Kabilem perd son emploi et est confiné à la maison. Et c'est à ce moment qu'il découvre TikTok parce qu'il s'ennuie énormément et il décide de faire des vidéos sur TikTok. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait trouvé l'application qui devait changer sa vie. La première étape dans le processus de réalisation de tous nos projets, c'est le rêve. Beaucoup de personnes vivent sans rêve. Le jeune Kabilem, avant déjà de percer sur TikTok, faisait des vidéos de comédie avec ses amis. Certes, ces vidéos n'ont pas percé directement, mais il a beaucoup appris, comme lui-même le dit souvent. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils vivent sans rêve. Imaginez un seul instant, vous êtes chauffeur de taxi. Un monsieur entre dans le taxi et vous demande de rouler. Vous demandez au monsieur, on part où? Le monsieur vous dit, je ne sais pas, roulons seulement. Vous allez trouver que c'est un fou, n'est-ce pas? Mais malheureusement, beaucoup le font avec leur vie. Ils ne savent pas où ils partent. Le jeune Kabilem, lui, il voulait devenir acteur, comédien. Et d'ailleurs, il était un grand fan de Will Smith et rêvait un jour tourner avec Will Smith. Et aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. La première étape dans le processus où 20% de la population cale, c'est le rêve. Beaucoup vivent sans rêve. Si c'est ton cas, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Assieds-toi, pense à ta vie idéale et bâtis-toi un rêve. C'est gratuit de rêver, donc rêve. La deuxième étape dans le processus de réalisation de ces projets ici, c'est de faire le premier pas. C'est bien d'avoir des rêves, mais c'est encore mieux de les réaliser. Beaucoup de personnes vivent avec des rêves et vont mourir avec parce qu'ils n'ont jamais fait le premier pas. Si tu veux réaliser ton rêve et atteindre tes objectifs, il faut commencer petit. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un prince qui voulait réaliser
un château comme celui de son père le roi. Mais il avait l'impression que c'était impossible. Et un jour, son père le roi l'amena dans une vallée lointaine où il pouvait admirer le joli château construit par son père. Et son père lui demande, « Qu'est-ce que tu vois, fils ?» Le fils répondit, « Père, je vois un magnifique château. Votre château est radieux. » Le père lui dit, « D'accord. » Ils se rapprochaient de la barrière et le père lui demande, « Qu'est-ce que tu vois maintenant ?» Le fils lui dit, « Père, je vois la barrière de votre château. » Le père dit, « Ok, très bien, fils. » Le père le rapprocha et colla son visage sur la barrière et lui demandait, « Qu'est-ce que tu vois maintenant ?» Le fils répondit, « Je vois une brique de terre. » Et le père répliqua en disant, « La construction de ce château commence par la pose d'une brique. Si tu veux réaliser ce château ou un château plus radieux que celui-ci, pose la première brique. C'est une empilation de ces différentes briques qui va représenter le magnifique château. Est-ce que tu as compris, fils ?» Et encore là, malheureusement, beaucoup vont contempler le château à distance, mais ne vont jamais assez rapprocher leur visage pour constater que la construction du château commence par une brique et qu'il faut la poser le plus tôt possible. Et là encore, on perd 30% de personnes. Il reste à peine 50% dans le processus. Tous les entrepreneurs sont unanimes. S'il y a une compétence que vous devez absolument avoir dans votre vie d'entrepreneur, c'est la persévérance. Vous ne pouvez pas réussir dans un projet si vous n'êtes pas persévérant. Et c'est donc ici qu'on perd le reste des personnes, les 49% restants, pour que 1% réalise leur rêve. Kabilem a créé des vidéos pendant plus de 2 ans sur YouTube, sans toutefois avoir du succès, mais il n'a jamais abandonné. S'il avait abandonné, il n'allait pas être le Kabilem d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle étape toi tu es avec ton projet, mais sache qu'il n'est pas question que tu abandonnes. Continue à persévérer et la lumière est très proche que ce que tu crois. En résumé, si tu veux réaliser tes rêves, il y a 3 étapes par lesquelles tu dois passer. Seul 1% de la population mondiale réalise leurs rêves. Et si tu veux en faire partie, il faut passer par ces 3 étapes. La première étape, c'est le rêve où on perd 20% des personnes. La deuxième étape, c'est faire le premier pas où on perd 30%. Et la troisième étape, c'est la persévérance où on perd 49% pour que 1% des gens réalisent leurs rêves. Donc, si tu veux en faire partie, identifie actuellement l'étape à laquelle tu es et commence à travailler pour avancer. Dis-moi dans les commentaires à quelle étape tu es dans le processus. Et si tu as besoin d'aide pour pouvoir avancer, je suis totalement disposé à t'aider. Alors, 1, 2, ou 3, ça se passe dans les commentaires.